Salama, ya salama, yerev viendre, salama, yo salama, ya salama, yerev viendre, salama, yo salama, ya salama, yerev viendre, yo salama. Yo tout le monde, bienvenue, on est de retour sur GTA 5. Et oui, je sais, ça fait longtemps que vous me le demandez dans les commentaires. Mais Jolat, c'est quand que tu lances le RP sur GTA 5? Pas aujourd'hui. Mais on a déjà redémarré le jeu, c'est déjà un grand pas. Et rien que pour ça les mecs, je compte sur vous pour me faire péter le like sur la vidéo. Ça me ferait extrêmement plaisir, ça soutient la chaîne. Sinon lui, il va sortir dessous votre lit pendant la nuit, il va vous regarder comme ça. Je vais te manger tes petits pieds. Je ne pense pas que quelqu'un veut se retrouver dans cette situation. Alors au début, je me suis dit, on va démarrer le mode RP. Et puis finalement, je suis tombé sur un petit site pour télécharger des modes. Et je me suis dit que ça pourrait être sympa qu'on essaye ça ensemble. Surtout qu'il y a l'air d'avoir des trucs bien what the fuck. Comment ça? Qu'est-ce qu'il veut lui? Je viens d'arriver, l'autre il me prend la tête déjà là. Ouais c'est ça, casse-toi mon gars. Et d'ailleurs en parlant de RP, ça me permet de faire la pub pour un abonné qui m'a envoyé un message sur Facebook. Maxime, si tu passes par là, je vous mettrai son serveur juste en bas de l'écran, il s'affichera. Et à mon avis, il y a des grandes chances que j'aille y faire un tour par la suite. Comme vous le savez, on fera très certainement ça en stream. J'attends d'abord la carte mère que j'ai commandée. On va aller faire un petit tour à Los Santos, vous inquiétez pas les mecs, je connais un raccourci. C'est... voilà, c'est par ici. Envole-toi. Envole-toi! Envole-toi! Donc comme je vous le disais, regardez, j'ai téléchargé des petits mods. Bah en fait, j'ai téléchargé juste un fichier et puis ça m'a sorti tout ça. Qu'est-ce que tu veux, toi? Tu te casses, hein? Fais pas la maline avec moi, là! Qu'il est méchant! Qu'il est méchant! Regardez ça, comment c'est trop mignon! On peut être un chat et franchement, pff, il est super bien fait! Mais oui, ma fifi! Par contre, attends, il peut pas sauter... J'ai déjà failli me faire écraser mon gars. C'est dur la vie de chat. Est-ce que je peux sauter? Pas du tout. D'accord, la touche pour mettre des coups de poing, c'est pour se gratter. Mais c'est magnifique! Attendez, je vais aller voir la dame. Oula, désolé, ce n'est que moi, je fais de passer. Ah mais c'est les ambulanciers! On va se repasser pour son petit chat. Je vais me gratter, je vais faire style de rien, tu vois. Est-ce qu'ils vont l'embarquer en civière ou pas? Rien à foutre. Non, clairement, ok. Ils sont... D'accord, allez, salut. Ils s'en battent les couilles, c'est pas grave. Envole-moi. 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 Et laisse-moi ton petit camion de pompier. Allez, salut. Un chat au volant d'une ambulance. Vous avez déjà vu ça, les mecs? Attendez, bougez pas. On va passer chez le coiffeur. Je vous dis ça, je sais même pas s'il y a moyen d'aller chez le coiffeur en mode chat. Voilà, bah, mon gars. Allez, vas-y, on ouvre la... Non. Ah non, clairement. Oh, c'est pas possible. Je me serais bien fait des bigoudis sur la queue, c'est dommage. La prochaine qui vient, on y fait le coup du chapeau. Bah, tu peux pas écraser un petit chat, quand même. Regarde. Je peux venir chez toi? Est-ce que... Elle en a rien à foutre. Tu vois, elle sent pas les couilles, clairement. Attends, bouge pas que je me relève, j'y arrive. Regardez, je suis un petit chat tout mignon. Je peux rentrer avec toi dans ta voiture? Bah oui. Allez, par contre... Allez, salut, par contre, tu te casses. Ciao, ma belle. A plus. Qu'est-ce que c'est, chimp? Oh, mais regardez ça, comment qu'il est trop mignon. Oh, je vais prendre la bécane. Ah, tu vas pas t'en tirer comme ça, mon vieux. Non, mais t'as cru quoi? Vas-y, donne-moi la bécane. Normal. J'avais envie d'essayer un petit code là. Je pense qu'avec ça, ça va bien marcher les mecs. Envole-toi. Envole-toi. Putain mais c'est terrible quoi. Imagine, je vous fais la scène. Vous êtes dans la rue tranquille. Tu vois un singe mon gars, il arrive vénère sur toi comme ça. Vous faites quoi comme ça là? Et il arrive mon gars avec la même tête comme ça. Il est déter le bordel. Mais laisse tomber mon gars, je crois que je me mets en position fœtale. Je me chie dessus quoi. Excuse-moi. A plus! Oh putain, attends, 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 attends. Là, je viens de voir une bagnole, là. Bon, j'hésitais avec celle de derrière, mais celle-ci, elle est pas mal. Oh, regardez ça, mais il y a du monde là-bas. Attends, on va aller faire un tour. Qu'est-ce qui vous arrive, les mecs? Oh, un chien, terrible. Salut, les mecs! Attends, il m'insulte, là. Ouais, oh! Oh, l'enfoiré, putain, je me fais attaquer par son kleps! Mais casse-toi, gros! Je me suis fait attaquer par son clébard. L'enfoiré. Bouge pas mon gars, on va se retrouver tu vois. Alors, qu'est-ce qui t'arrive? Là par contre en vrai, là mon gars tu fais moi le malin. Tu vois un chimpanzé comme ça arriver vers toi avec un pompe dans les mains? Mais non, pourquoi tu marches vite mon gars? T'inquiète, t'inquiète, c'est rien. Attends, je vais te donner un peu d'élan. Voilà. Terrible. Bonjour, tu veux être mon ami? Mais tranquille. Tranquille. Oh putain, je peux attaquer mon gars. Ok, je me casse. Donne-moi ta caisse. Allez. Ça n'a aucun sens. Allez, salut mon gars. A plus. Merde, il y a les condés, ils vont me voir là. Ils vont quand même pas soupçonner un petit chien, regardez. Hop, je me mets là. Qu'est-ce qu'il veut lui?
Qu'est-ce qu'il y a? Voilà, reparle-moi pas comme ça. Tiens, il a laissé tomber de la maille. Ce délire, comment qu'il s'acharne? Je veux juste ramasser la thune, mais je peux pas, je me casse. Attends, je prends le camion. Putain, mon vieux, l'animation, elle est tellement éclatée, quoi, laisse tomber. C'est un truc de ouf. Allez, à plus, mon gars. Attends. Non. Il s'accroche, l'enfoiré. Allez, salut. Regardez ça, comment qu'il descend, avec classe et tout. C'est le chien le plus classe de Los Santos, quoi. Oh. Salut, toi. Attendez, si je peux l'attaquer, c'est énorme. Je peux pas l'attaquer. Mon gars, en vrai, tu vois un truc arriver comme ça vers toi? Moi, je t'ai donné rendez-vous, je t'ai appelé pour qu'on se batte tous les deux tête à tête. Maintenant, on va en finir, c'est mon effet père, on va en finir. Je jure, c'est mes morts, on va en finir. Je vais tuer les autres. Je jure, c'est mes morts, on va en finir. Moi, je viens tout seul, moi. Soit vous tue, soit vous me tuez. Ouais, cours pas, j'arrive. Mon gars, si je suis à contrôler. Envole-toi. 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 Et déploie tes petites ailes à la force de tes bras. je vous assure que c'est super chaud à contrôler. Franchement, ça a pas l'air d'être comme un avion à contrôler ou quoi. C'est, tu vois, l'avion de chasse, je me souviens, il est bien à contrôler. Mais alors le canard, mon gars, c'est chaud, hein. Ouais. J'ai sorti une mitraillette, mon gars. Ça a bugué ou je peux plus bouger, mon gars. J'ai une mitraillette dans les mains. Le truc, il est en train de s'envoler. Ah non, ok, d'accord. Attends. Ah ouais, mon gars. Putain, on peut prendre des armes même en canard et tout. J'ai pas choisi mes petites plumes. Envole-toi. Mais là, franchement, mais on est trop bien, quoi. Qui va soupçonner un canard, mon gars? Et puis, comment tu veux qu'il m'attrape? Tiens, prends ça. On va se poser. Mon petit canard. Gros, tu vois un canard, il arrive comme ça vers toi. Normal. Attends, je peux tirer? Ouais, ça marche pas. Attends, je vais prendre un flingue. Comment qu'il dégaine, mon gars? Envole-toi, le petit canard. T'es mon gars, tu te fais braquer par un canard, normal. J'ai pas choisi. Ce serait tellement stylé si je pouvais me poser dessus. J'ai mal géré la manœuvre. Regardez ça, je suis une petite biche. Attends, c'est bien une biche, ça. Ça ressemble pas à un mouton, non? Ça ressemble vraiment à une biche, hein. Attends, est-ce que je peux faire quelque chose avec la biche? Genre, je peux charger ou quoi? Genre, si je fais ça. Ça marche, mon gars. Il y a moyen d'avoir une vue intérieure avec les pattes de la biche, non, qui conduit? Non, il y a pas moyen. C'est dommage. Putain, attends, qu'est-ce qu'il fait, lui? Gros, lâche-moi, mon gars. Il va me niquer. Et là, en vrai, tu postes une vidéo comme ça sur internet, mon gars, tu fais la polémique directe. Maltraitance aux animaux, le mec il a tabassé une biche. Faut que ça se sache. Tiens, dégage. C'est quoi un bac? Oh, c'est une baleine, gros. C'était bel et bien une baleine, quoi. Mais non. Mais c'est stylé de ouf, en vrai. Mais tu peux faire quoi avec la baleine, genre? Tu peux juste baleiner comme ça, quoi. Non? Tu peux pas conduire des voitures ou quoi? Bah non. Non, clairement, de toute façon, voilà, on a vu tout à l'heure, ça m'a éjecté de la bagnole dès que je l'ai pris direct, hein. Pas sauter hors de l'eau, faire un peu comme les baleines et tout, non? On va prendre un chat. J'avais envie de tester avec un chat, mais normalement, un chat, ça sait nager un petit peu quand même. Un minimum. Pas dans GTA, ils savent pas nager. Non, mais y a rien qui va dans le jeu, quoi. Les chats ne savent pas nager, les baleines ne savent pas conduire. Des petits poulets. Oh là là, terrible. Oh, comment il est bien fait. Moi, je vois ça arriver vers moi, mon gars, laisse tomber, je m'arrête pas. Bah ouais, je tape une marche arrière comme lui. Allez, casse-toi. Allez, salut. mon gars, ce bruit qu'il a fait. Hop, arrête-toi. Oui, il est bien ton 4x4. Et bonjour, ma petite dame. Mais oui, vous inquiétez pas, j'ai eu mon permis aux autres bobales. Je l'ai passé en même temps que les otaries. Allez, salut, je me casse. Envole-toi. La barre, elle est à côté, mon vieux. Voilà, ça, c'est un vrai artiste de rue, les mecs. Tu vois pas le dire? Bah ouais, le type passe à côté, normal, tu sais.
Tout va bien, c'est normal. T'as pas vu qu'il y avait du talent là? T'as pas reconnu un peu? Regarde ça, tu peux pas passer à côté d'un talent comme ça. Elle en a rien à foutre. On va aller faire un petit tour à la plage, ça fait super longtemps. C'est quoi ça? Regardez-le lui. C'est une statue ou c'est un vrai mec qui est accroché? Non, c'est une statue. Bah, j'espère pour lui. Allez, à plus. Salut mon gars. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes chaud pour qu'on se fasse une petite série RP ou quoi, ça pourrait être sympa. En plus, je vous dis, je vais sûrement passer sur le serveur. Sur le serveur de l'abonné qui m'a envoyé un message sur Facebook. Oh là là, terrible, terrible, terrible ce buggy mon gars. Pff, ça passe partout mon gars. Ça passe. Merde! Bah là, je crois qu'on a trouvé le mode ultime. Oh là là, mais terrible, mais quelle élégance, quel charme, quelle prestance, quel charisme! Marie-Madeleine Simulator, mon gars! Mon gars, merde! Ah bah ouais, à force de la regarder sous tous les angles, tu vois, j'en ai oublié le rocher qui était devant moi. Bon, c'est pas grave, franchement. Au moins, on a trouvé le mode, tu vois. Non! Ce délire! Elle peut lâcher des petites crottes comme ça au calme. Envole-le-moi. Envole-le-moi. Envole-moi. On peut conduire avec une mouette? Mais bien sûr qu'on peut conduire, mon gars! Ah bah non! On peut monter dessus. Attrape, mon gars! Grenade! Et finalement, j'ai envie de vous dire, une mouette, ça n'a pas une vie de rêve? La mer, parasol, le sable fin, tout ce qu'il faut. Eh bien écoutez, on va se laisser sur cette magnifique vue. En tout cas, j'espère vraiment que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous me faites péter le like. Bien sûr, ça me ferait extrêmement plaisir. Et si je vois que vous avez vraiment bien kiffé, eh bien on se fera un plaisir d'essayer d'autres modes sur GTA. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a des modes en particulier que vous voulez qu'on teste. Sur ce, moi je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Et ciao tout le monde. Bye. Non mais regardez-moi ça. C'est vrai que ça a une vie de rêve, une mouette, hein. Par contre, t'es pas censé pêcher du poisson dans l'eau, normalement une mouette.